D'abord, je commencerai par dire merci aux forces vives de Guinée et merci aux principaux partis politiques par rapport à toutes les activités que nous voyons actuellement là. Et ces différentes activités sont en train de payer parce que la communauté internationale s'est totalement braquée, focalisée sur notre situation. Alhamdulillah bien. De l'autre côté, nous déplorons aujourd'hui. Nous avons appris l'hospitalisation d'un frère qui devait être rapatrié. Voilà, le frère a reçu une lettre qu'il devait passer devant les autorités, c'est-à-dire la délégation du Morissanda. Et malheureusement, le jeune a piqué crise, il a été hospitalisé. Mais malgré qu'il a été hospitalisé, selon les informations, il doit passer devant la commission, la délégation envoyée par Morissanda. Mais tout se paiera sur cette terre, Inch'Allah, Morissanda. Donc, partagez. Mais nous allons partager des informations que nous avons reçues. Vous savez, hier, j'ai touché un peu sur le limousin de Boakarly. J'ai été appelé par son neveu aujourd'hui, par un de ses neveux, voilà, qui m'a tout expliqué. Parce que il m'a appelé, il dit, c'est pas pour protéger ou bien défendre mon oncle. Mais franchement, voici la vérité. À vous, monsieur Benito, de voir, merci, monsieur, frère Mamadou Sow, à vous de voir si mon oncle a raison ou bien il a tort. En tout cas, voilà ce qui s'est passé. Parce que jusque-là, il n'est même pas rentré, il a coupé le contact avec sa famille. Aujourd'hui, il se trouve à Dubaï. Il est parti à Dubaï, il est à Dubaï. Je lui ai juste demandé, ah, le décret, l'arrêté, le décret de Limoges ne l'a pas trouvé en Guinée. Non. S'il était en Guinée aujourd'hui, il serait arrêté par les proches du Doumbouya. Donc, partagez, nous allons vous filer cette information. Mais bien avant de commencer, s'il vous plaît, je vous dis bonsoir. Je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui aiment ma santé Benito, qui aiment mon affaire, qui aiment mes vidéos. Je commencerai par ce premier point, en vous demandant pardon, une doléance. Pardon pour l'amour de Dieu, l'amour que vous avez pour moi. Je vous prie, je le répète encore, c'est la deuxième fois, mais pour cette fois-ci, je voudrais vous dire encore une fois, arrêtez de m'envoyer les vidéos de TikTok. Je le dis encore, j'ai des témoins, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des vidéos de TikTok. Pour la première fois, je vous ai expliqué que je ne peux pas ouvrir les vidéos de TikTok parce que je ne suis pas abonné sur TikTok. Je ne suis pas sur TikTok. Dès que je clique, on m'envoie, on dit d'aller ouvrir TikTok, de m'abonner sur TikTok. Je suis obligé de revenir encore. C'est la deuxième fois. Quand tu vas trop parler, on dit tu es gonflé, il a ri, etc. Tu es trop comme ça. Ah, na Benito Lara, etc. Arrêtez de m'envoyer des vidéos de TikTok. Pour l'amour de Dieu. Est-ce que pour l'amour de Dieu. Excusez-moi un peu. Moi, je n'ai pas le temps. Je l'ai bloqué, ne répondez pas, s'il vous plaît. Pardon, pour l'amour de Dieu. Parce que ce que vous êtes en train de dire, je suis obligé d'aller dans mon iCloud, payer la passe pour augmenter l'espace. Je ne savais pas, c'est quand je continue à payer passe pour augmenter mon iCloud, on dit il y a beaucoup de vidéos, on dit il n'y a pas d'espace. Je clique, je regarde, ce sont des vidéos de TikTok, que je ne peux pas ouvrir. Je clique comme ça, je ne peux pas ouvrir. Je vais, comment appeler ça? Arrêtez, s'il vous plaît. C'est la deuxième fois. Mais encore, sur la deuxième fois comme ça, je vous ai déjà expliqué là. Après, vous allez dire que je suis gonflé, je me prends et puis je suis trop sûr de moi. Et pourtant, je vous ai déjà dit pardon pour l'amour de Dieu. Je ne suis pas sur TikTok. Laissez TikTok là. Non, pour moi là. Ne m'envoyez pas de vidéos TikTok. Ça ne m'intéresse pas. Vous voulez m'envoyer des informations? Allez-y sur certaines pages.
La même vidéo, vous pouvez la retrouver sur YouTube ou autre chose, vous m'envoyez. Mais arrêtez de m'envoyer le TikTok. Que ça soit très clair. OK. Et je voudrais encore vous dire, ne vous inquiétez pas par rapport à Singleton. Voilà, Singleton, c'est devant le monde entier, c'est devant tout le monde. Nulle part, pour un département, je ne le connaissais pas. Hein. Je l'ai dit, Singleton, c'est la dernière fois que je l'ai vu, en train de montrer ses champs de champs de maïs sans. Et j'ai fait ses éloges. Et il est venu chanter en nous insultant. Il a fait un post, voilà, il a fait un post en disant qu'il s'amuse. Il a fait un post pour dire qu'il s'amuse. Le post est là. C'est lui qui l'a fait. Excusez-moi, je vais vous montrer le post si je l'ai ici. Voilà. Voilà le post. Vous avez vu le post? Ça, c'est son post. Il a dit ici, ma Guinée 224, ma santé Benito, Asilo King, les gars, faut pas me bloquer, s'il vous plaît. C'est juste un simple amusement, mes enfants. Écoutez très bien, c'est pour vous dire. Il a posté, il a tenté d'envoyer parce que sur l'autre compte, je l'ai bloqué. Vous comprenez? Parce que, vous avez vu, malgré qu'il nous a insulté, moi, je me suis adressé au CNRD. Lui nous a insulté. Moi, ça, c'est pour lui dire, je l'ai simplement fait comprendre que moi, je suis politicien, je ne suis pas un chanteur. Je ne suis pas un insultologue. C'est entre Doumbouya et moi. À ma connaissance, Doumbouya n'est pas son papa. À ma connaissance, Doumbouya n'est pas parent à lui. S'il veut faire Atalakou de Doumbouya là, il est libre, il peut aller. Mais le fait qu'il a chanté, aujourd'hui, pendant des répétitions, les gens sur TikTok là, c'est mon nom, c'est le nom de Damaro et de Asilo King. Maintenant, Fala Maïde, Singleton, moi je veux te dire la vérité. Ce que je veux te dire, Ntamba Santa Benito, moi je suis forestier, je suis konyanke, je suis métisse. Fekir na gata, ya sebeyara gata. Écris, tu gardes. Sembe nibe to, peut-être. Yangama sembe nibe. Tu n'as pas la force. Et bah, toi. Moi, Benito là. Et moussoussa mantana. Et t'as nouta. Tu ne peux pas. Mais en fekir en falabe, ya sebeyara gata. Moi, quand tu m'as insulté, j'ai arrêté le single. Et toi, fini le single, on va arrêter. J'ai arrêté, j'ai gardé Mvara Gata. Et ma Nala Gata finalement. Mais comme tu t'es rendu compte que ta chanson d'injure, ça va se retourner contre toi, tu as commencé à avoir peur. Et bah, toi, me rebaraton, al nde dumbu ya reli falama e kombi. Et bah, toi, ina anna bafi sa gbile mané, mantana falaybe. Rimagne de ce mané guéli, avant même que nous nous rentrons à Conakry, ici que mané guéli à cause de la chanson, à cause du single, à Sebeya la gata. Avant là, il y a des gens qui ont fait des vidéos pour insulter ma maman, insulter nos parents, ils sont là-bas. Oulada était sur ma page tout de suite là. Oulada était sur ma page tout de suite là. Je l'ai juste bloqué parce que, eh ben, oui, ha, eh ben, ta gang. Les gens là ont insulté, ils sont fatigués. Hein. Mais eh ben, combiti, avant, étant gologué maintenant, Falata, tu nous as insulté entre les jambes. Mais bon, étant munga, il en combi, et mou baba est combi, et mou tene est combi. Ne ba tagan, ne sa à côté. Ne mou combiti, ils sont à côté. Et ne t'en ba tagan. Ou me rende lire, ne ba dumbe, et si porte, et ba tagan. Ça s'est mis de côté. Et t'en bas, Fadé à Corsi. Mais la façon dont toi, tu t'es pris là. Il y a des artistes qui sortent aujourd'hui pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Mbala Mirek, bébé, apostle, artiste, on dit que tu es allé loin. Ntam Benito, Nissa Manegeli. Asebeya la gata. Nissa Manegeli. Nissa Geli. Igeli Aba Mane. Tu as vu Jan Pou, Jan Oumpak, Jan Oumpak. Tu as vu la réaction de Jan Oumpak depuis
Koro a vu, j'ai pas voulu montrer sa vidéo. Tu as vu la réaction de Yaoumpa. Il a parfaitement raison. Il y a ce qu'on appelle l'image et le don. Et mon akolo, ça dit tu ne connais pas ça. Et mon relicolo, et mon image, kolo. Takana Jean a pris sa photo, il a posté qu'il va participer à l'événement de Koya. Et pourtant, il n'a pas donné son accord. Il n'a pas donné son accord. Et bah, réaction tôt. Anna a attendu. Moi, Naïra, aha, takana sa guéri. Parce que takana tenen di barirabe, alo nanama. Asi, c'était takana. Takana a sa manière guéri. Parce qu'aba takana a image utilisée. Non, nanaki, tout le monde sait que c'est une réalité. Mais, in tenan kombi. Mi kombi. Ya single. Mais, CNRD, mi reba na tongo te ba fi dansera. Fi TikTok. Et faré boromara. Iba ato. Tu as vu que ça commence à arriver à un niveau là, très dangereux. Et bien, il rapporte ce rabat pour dire que tu es en train de t'amuser. N'ta mou bérifé. N'ta mou bérifé. N'ta. Pour toi, Seigneur de fait moudangi fait. Amoudangi ma fait. Il faut prier le Tout-Puissant Allah. Que le Seigneur de reste toute leur vie au pouvoir. Ina me l'oroyo l'oro d'oumbouya baraba. Nagoro, quoi, qu'une plainte, ça m'a dit, Lima. Et bah, tout. Je vais porter plainte. Maraba fait parce que je, mais un des affaires, manangé, luna, non, ma loudena. Mais naraba fait, moi, maman, n'ta moibé, poum, 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 moibé, un d'abord, moibé, poum, poum, poum. Et non, Anto, ne vois pas mon visage comme ça, hein. Moibé, poum, poum. Moibé, poum, 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 poum. Même mon troisième jeune frère, n'a moibé. Et bah, voilà. Ni image, ma sengre, ni rebera, ma tout. Il t'en en poste là-bas, il n'a y bénéfi. Voilà son poste, il n'a y bénéfi. Voilà ce que tu as dit. Et en poste, Naïki, il y a de cela 20 heures, tu as posté. Tu dis, les gars, faut pas me bloquer, s'il vous plaît. C'est juste un simple amusement, mes enfants. Il dit là-bas, René, il poste là-bas, et puis tu as affiché tout ça là. Tam, m'bala falai bé. M'tana falai bé. Wallahi billahi talai. Et ta nou ta kwa. Nara ke mani esprit, je ferai esprit. Na soko na kri. Ni soko mani, na ge sou de m'baga mani ma. Na baga, ni soko feo, ni ben yima, tant que autorité mou fa. Et mon Kolongo, tu ne me connais pas. Namba namba ma semanebe, nga falaibe. Ntan, mori ma mounne, nga falaibe. Réhourtari, ntan hourtari be. Inyanga ma yabori, ntan yabori ibe. Je ne dis, parce que les gens m'ont dit non, tu es allé à l'école, il renri, il n'a pas dit ma, n'a sa mané à côté. Il t'en kiri. Il kiri. Ni sou, faut autorité fa. Après, on va à la, on se gazandarmerie. Et pas payer, on passe à la justice. Faut retenir ça. N'a pas fait, n'ta mou bérifé. N'ta mi kombima. Non, mi kombima, mou bé falamanaki. N'a Dumbuya, mon mari Dumbuya Golo Gené. Et je le répète, Dumbuya Golo Gené. Dumbuya Baba Golo Gené. Dumbuya Guinée, na Baba Golo Gené. Idi Amin Golo Gené. Idi Amin Baba Golo Gené. Idi Amin Ra Guinée, Baba Ibidin Golo Gené. Amara Golo Gené. Amara Baba Golo Gené. Eba Ato, itamara, parce que anamoun nenan tagi, neli tan sa refire, imu kombi. Nta nenan, parce que anamoun nenan tagi. Nta mi kombi ma. Giba ya kite golo geme, aha gine baba golo geme. Eh ben, amen. Nana répétez ma. Chaque fois, nous n'a fala mané moura deba, quand on commence. Mamari Dumbuya baba golo geme, Dumbuya golo geme, Dumbuya nga baba golo geme. Giba ya kite golo geme, a baba golo geme. Pam pam pam, amara golo geme, agana baba golo geme. Ne bilin golo geme. CNRD bilin supporter le baba bilin golo geme.
sipo senel debin ebirin baba ne rebirin sipo sede ne birin baba golo geme agine dari ne baba birin golo geme voilà senel debirin golo geme e a supporté birin golo geme ndara fa di sanso a bire manema londe e souba e sa geli ntami tan kombima mirli fala ma fe mira miri kombima parce amuna on tagi. Je ne sais pas si tu as compris. Ni Samane Gelinta, ni Samane Geli. Ousmane Gawabo, Nathan déjà, Naha Golo Geme Bala Fende, Naha Funtu. Ousmane Gawal Baba Golo Geme. Eba, Ousmane Gawal Baba Golo Geme. Nta mi kombima. Nta. Et puis, ni respecte rien, hein? Moi. Ni ha promotion na barane. Allez, avisez la mène, na. Tu fais les champs, il cultive là-bas, ma étang, il m'a l'eau au boré. C'est deux jours après, il fait un combi. C'est un gloton, il fait un combi. Tu m'as directement insulté. Mais, m'a d'amener. Donc, c'est par rapport à ton poste là. Il n'a rien de fait, Moudie fait. Nta magere ndundu mane di senere dia dangi mana na dangi feo na ma semye mori mamune mori mamun kolon mori mamune mbari pita mlabera ba mklochera ba leruma mfafa mamun mori mamune mo mamun ha Mana vibin la ba mamu tout ce que inaham binin kolo enfance na binin ba mbalon bombo fe binin na la ba mamu avec mes amis je suis resté avec mamu kolo c'est chez moi nana à chaque fois y a ton mère c'est moi l'enfant de Petel mort Petel né c'est un quartier de mamu na ma Petel mort mené c'est là bas j'ai grandi et voilà mais n'tant dumbuya Ito atuwa angara famina be trento mudefanga mukozema ila muto mudoron mukozema c'est la famille de sa maman nta mudumbu ya baba kombima manga kombima nkonse na fima angama parce que nganara ebato mais itana fa kombira dans la chanson ikiri intora fa metis nantana. Je suis mélangé, René. Alors, on a la barre en també. Mouyoma ravi choisi. Ibari René. Voilà. Ibari René, yato, ingana iki, ibabana iki. Donc, toi, tu es né. Personne n'a choisi ses parents. Ibarato. Ibara fala yurtari. Mais je voudrais que tu t'informes. Mbore na men, mounere mon mamou. Mouge mane balon bombone moubore bombo lope meni. Ube muna siya kimbiri muna ge balon bombone moubore bombo. Bulbine meni na tere raima meni. Tadi mounoma poudrier. Tadi ti pense que imu hurtari. Sengleto imu hurtari. Nama semi be. Eba abu mire kombila. Ha? Mi nga kombima, mi baba kombima, mi afamio kombima. Mena. Na itanuta ona signere na sapa ntamin me kere nan tan kombe amma mi e kombi jadi ala page mabe me mon ona juste wen jali je c'est mon jeune frère j'ai pitié de lui parce que il on peut-être un homme ara debarabade adumbuya sipo moi je suis d'accord tout ce qui supporte dumbuya ntané. Je le respecte. Nanam fala. Et Doumbouya a supporté. Ça, c'est ton choix. Mfa namma kutika. Nre bira ba naki moumbore masoto. Mou nakine. On est resté comme ça. Chacun est dans son coin en train de défendre. Ah, Djodjou Baté, oui. On était avec les Bassala, Denison, les Bassala, Djodjou Baté, tout ce qui là, ouais. Donc, Mbala Daibé Meni. Et voilà, voilà. Moi, nous préférons nous régler et en singleton. Nous régler, nous avons la barre.
Ingria fala menor grand obeato ikiwi. Me remisa geli. Et mon kolongo, remisa geli, singleton, ntampenito. Remisa geli, inanto, la Guinée. Afalambe batar, ntana falabe. Il faut annoter ni sa manegeli. Parce que mi nga kombi, mi baba kombi. Mi ha mi yo kombi. Il s'en sort na baba, fin de sigla TikTok, mi nga nanana sambarama, mais mouno marabile. Mais je vais te montrer ce qu'on appelle l'éducation. Voilà. Donc, il y a un poste na aiki. Moi, je réserve ça. Ce n'est pas un musulman, je ne te pardonne pas. Eh bien, amen. Donc, excusez-moi, je voulais préciser ça parce que c'est, il a posté pour demander, il dit qu'il s'amuse. Il dit que lui s'amuse. Il nous insulte. Les gens sont en train de partager, chanter avec ça. Il dit qu'il s'amuse. Lui, il s'amuse. Il n'y a pas de problème. Donc, chers frères et sœurs, moi, je pensais que l'affaire de Boakar Lee et Doumbouya était une petite affaire. Mais j'ai été appelé par un des neveux. Parce que dans cette situation de transition-là, chacun veut défendre son parent. Mais comme il m'a entendu parler de Boakar Lee, il a essayé un peu d'éclaircir certains passages, ce qui s'est réellement passé. Il m'a envoyé les photos, il dit voilà ce qui s'est passé. Il dit c'est mon oncle. Je ne sais pas si tu es informé qu'il n'est pas en Guinée. J'ai dit oui, on me dit qu'il n'est pas en Guinée. Moi-même j'ai vérifié, on dit qu'il n'est pas en Guinée. Bon, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est un problème d'argent, un problème de entre 10 à 20 millions de dollars. C'est ce qui s'est passé entre Boakar Lee et Doumbouya. Le problème d'argent. Mais lorsqu'il m'a expliqué et lorsque j'ai appelé pour m'informer, j'ai automatiquement donné raison quelque part à Boakar Lee. Même si c'était moi. Les gens piochent, ils volent. Une occasion se présente, je vole moi aussi. Parce que nous ne sommes pas dans la légitimité, dans la légalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Doumbouya n'aille en Chine, vous savez que Doumbouya avait empoché 99 millions de dollars. C'était la caution payée par une société minière pour être additionnée aux sociétés qui ont été retenues pour le ciment. Lui, Boakar Lee, il est conseiller de Doumbouya en même temps. Il fait partie de l'équipe qui gère les mines en Guinée. Le patron des gestionnaires des mines en Guinée, c'est Djiba Diakité. Mais, même si c'était moi, honnêtement, comprenons-nous, les 99 millions de dollars ont été empochés par Doumbouya. Mais qu'est-ce que Lee a eu comme information? Doumbouya a donné Ahmed Dubaté. Ahmed, frère, ok. Doumbouya a donné un peu à Djiba Diakité, il a donné à Tchèma Douba, il a donné aux autres. Et voilà ce que lui aussi il a pris. Comme il était dans le programme d'aller en Chine, lui Boakar Lee, arrivé en Chine, il a négocié des contrats par rapport à Simando. Et André Lamousso Brebet, ça c'est la première dame. Bintou Kalea, il dit une fois. Comme a dit ma chérie, j'espère qu'il va très bien. Est-ce vrai? À ma place, j'aurais réagi de la même façon. Hein? Kanté Oumara, il dit, l'un des plus grands professeurs de France, respect à toi. Donc, parce que c'est un groupe de voleurs. Le groupe de voleurs là, dis donc, Ori Babo, chacun prendra sa part, hein, parce que ce qui me plaît, dans l'analyse même, dans les explications du frère, lui-même il dit que Benito, toi et moi, nous savons très bien que nous ne sommes pas dans un régime légal. J'ai dit, ah bon mon frère? Il dit oui. J'ai dit, toi tu as le badge, tu as le passeport diplomatique que tu as obtenu à travers ton oncle. Donc toi tu sais que vous n'êtes pas dans un régime légitime.
Et toi, tu veux que je te croie. Hein? Toi, tu veux que je te croie. Il dit non. Et puis, tu penses que moi, je vais défendre ton oncle. Parce que Boakali a dit devant le monde entier que Dieu l'a envoyé une lumière qui va remplacer Doumbouya. Tu te rappelles? Hein? Mais là où nous sommes comme ça. Hein? Là où nous sommes comme ça. Moi, je le répète, nous parlons de la Guinée. Je ne sais pas si toi et moi, on va se comprendre. Actuellement, je ne parle pas de la politique. Je suis RPGiste dans l'âme, dans la tête. Voilà, c'est écrit sur mon corps, RPG. Merci beaucoup, Bouba Samsa. Merci, frère. Mais, pour le moment, là, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Si tu veux travailler avec Benito, parlons d'abord de la récupération de la Guinée. Après, nous parlerons de la politique. Mais pour le moment, là, moi, je parle que de la Guinée, de la récupération de la Guinée, et ce qui concerne la Guinée. Voilà le problème qui est entre ces anciens escrocs, soi-disant RPGistes, que notre chef d'État, le professeur, le président, est venu à travers son document qu'il nous a envoyé, que nous avons publié, qu'il est toujours à la commande et il sait qui est en train de fausser nos espoirs et ceux qui sont en train de mettre les bâtons dans nos pieds à Kabelo. Depuis que nous avons reçu cette lettre-là, vous avez vu l'enthousiasme dans les sièges du RPG, de Zéro Corée à Sigrin, de Sigrin Cancan, vous avez vu Conakry, c'est qui s'est passé à Conakry. Car donc, plus de 3 heures, nos mamans, nos tontons ne se sont pas retrouvés en train de danser seulement. Parce qu'en bras long, Kafo, jusque-là, nous sommes comme ça, là. Nous avons des têtes. Pas une tête, des têtes. Et Boakali est arrivé en Chine. Quand il est parti en mission en Chine, il est parti négocier, il a signé tous les contrats. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a une petite compagnie qui veut sa part de marché dans Simandou. Parce que tout le problème, c'est Simandou. Simandou là, c'est Simandou ou Simandou. Montrez-moi, il n'y a aucune activité dans ce pays qui peut rapporter de l'argent. Il y en a pas. Montrez-moi, quelle activité? Aujourd'hui, le chef du gouvernement était en partance sur Kindia. Il était obligé de se retourner parce qu'il y a eu éboulement. C'est là où il y a eu éboulement. Nous avons été surpris d'écouter le fanfaron, le chef d'état-major bis, qu'avec la création des bataillons partout en Guinée forestière, en Haute-Guinée, que la sérénité est revenue dans la cité. Il n'a rien compris. Donc, M. Boakali est arrivé en Chine, il a négocié. La société qui voulait participer au partage familial de Simandou a demandé au conseiller du président de la transition, le chef de la junte, qu'il veut participer. Et voilà, lui, Boakali, au lieu de faire le retour à Doumbouya, qu'il y a une compagnie qui veut évoluer tel, qui veut faire ça, dans Simandou, il a négocié au nom de Doumbouya. Ils ont fait les documents tout. Les gens là lui ont remis une enveloppe. Ils l'ont remis une enveloppe. Mais moi, je ne croyais pas, hein, parce que le montant cité là, Halibanya la Kouassi de l'Anda, Fokono, Tunate. Comment on peut se donner un chèque de plus de 10, de plus de 15, parce qu'on parle de 20 millions de dollars. Je dis non. Et quand j'ai appelé mon informateur au palais, mon médecin, comment Boakali d'un coup comme ça a été enlevé. Celui qui dit non. Il dit qu'on il appelle le vieux Kenny. Il dit qu'on Kenny Kamenke. Aïka Wori le Douaboulou. C'est-à-dire qu'ils ont remis de l'argent en Chine là-bas. Kokadi Madi Mao. Vous savez, tous les éléments des forces spéciales appellent Mamadi Madi. C'est son nom, ça Mari. C'est-à-dire un bon malinqué, on l'appelle Madi. Le raccourci, quoi, Madi. Aïka Wori le Douaboulou, quoi, a dit Madi Mao. Nko Djeli, quoi, 20 millions de dollars. Oui. Quand Doumbouya est parti en Chine, parce que Doumbouya devait le trouver là-bas. Doumbouya devait trouver
Parce qu'il a dit à Boakali, tu m'attends là-bas, on revient ensemble. Au moment où je vous parle comme ça, le gars est couché à Dubaï. Tranquillement, tranquille. Il a viré l'argent sur son compte à Dubaï. Donc Doumbouya est arrivé en, Arrivé en Chine. On l'a montré des usines, des partenaires, tout ça là. Maintenant, il a été approché par le chargé des relations extérieures de des affaires étrangères de la Chine. Pour dire à tel qu'ils l'ont fait le compte rendu. On dit, j'espère que vous avez apprécié l'enveloppe qu'on vous a donnée. Doumbouya, vous savez, c'est un faux militaire. Il dit, ah, quelle enveloppe? Ah, voilà. Oh, mon frère est intelligent. Bouba, tapez d'eau. Voilà, c'est tapez d'eau. C'est le gars-là, maintenant, mon informateur, c'est lui qui m'a dit, il dit non. Doumbouya, il dit qu'elle avait dit non. On a remis l'enveloppe à votre conseiller. Maintenant, les autres, là, Guy Badiakité, lui, il parle. Guy Badiakité dit, ah, comment vous avez fait pour obtenir les documents, les accords? Il dit, ah, il nous a fait signer les accords. J'ai dit, ah, oui. Et c'est vrai, hein? Il dit, ah, il a dit qu'il peut signer parce que c'est le conseiller, tel, il a montré des documents, il fait partie de la commission mine. Des priorités préparées. Vous savez, il y a un organisme qui est logé au PM5 qu'on appelle les priorités présidentielles. Et donc, il a tout. Hein? Il a tous les documents qui me prouvent qu'il est bon. On l'a donné l'enveloppe. On dit combien? On dit là. Hey. Ah, Doumbouya a pris le téléphone. Il a appelé à Conakry pour dire de le limoger. Maintenant, vous savez, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents. Parce que la même personne là, hein, la même personne qu'on appelle Boakar Li, nous sommes tous au courant, on sait ce qui s'est passé entre lui, il est poursuivi au Sénégal. Parce que vous avez vu le poste de Kounduna aussi. Kounduna a régné parce que nous avons, c'est-à-dire pour rappeler à Doumbouya, tu ne peux pas être surpris. Est-ce vrai? On dit, vous laissez Doumbouya tranquillement, s'il vous plaît. Ça, et puis, il dit ça a pouvoir à vie, vivre la Guinée pour la... Regardez, attends, excusez, je vais l'aider un peu. Excusez-moi. Donc, il a signé tous les documents. Il a fait en son nom. On l'a remis le chèque. Il a viré sur son compte. Il a viré sur son compte. Et voilà. Le gars est parti. Voilà mon frère Imurana. Il est parti en Chine. On dit bon. On l'a donné l'argent. Et c'est fini. Parce que c'est la deuxième fois que le monsieur échappe. Bailani, là, c'est la deuxième fois au Sénégal. Et cette fois-ci avec Doumbouya. Et puis, ce qui est intéressant, allez vous fouiller dans tout qu'on a créé. Si vous allez trouver, si par hasard quelqu'un va vous dire, voilà la famille de Bailani. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Personne n'est à Conakry. Moi, j'ai rappelé son neveu là. Il n'a pas pris, hein. Je l'ai laissé un vocal après, il m'a rappelé. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il s'agit de plus de 20 millions de dollars. Et pourquoi, permettez-moi de féliciter Boakar Li. Moi, je le félicite. Parce que même si Boakar Li remettait l'argent à Doumbouya, l'argent n'allait jamais arriver dans les caisses de l'État. Au moins, nous savons que Bailali a pris de l'argent au nom de la Guinée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il a pris de l'argent au nom de la Guinée. Donc le juge sera à Conakry. Les documents font foi. Il va aller en prison. Donc M. Bailali, au moment où je vous parle comme ça, détient l'argent de la Guinée. C'est ça aussi la chance de la Guinée. Voilà pourquoi je ne condamne pas trop
ce qu'il a fait. Et puis je le supporte parce que quelque part, il sait très bien que l'argent qu'il a pris, il peut le consommer à vie. Mais le juif va planter ses pieds à Conakry, c'est que c'est directement à la justice. Il le sait. Donc, M. Bailali, ce que je voulais rajouter sur ça, vous devez savoir que vous pouvez coopérer avec nous, collaborer avec nous, nous donner les informations à travers votre neveu par rapport aux transactions financières liées au mont Simandou. Nous n'avons pas beaucoup d'informations par rapport à Simandou. Il paraîtrait que ce n'est pas la peur aussi d'avoir pris les 20 millions qui font peur à Doumbouya. Le problème, c'est que vous êtes assez informé, beaucoup, c'est-à-dire que vous avez tellement d'informations sur les transactions financières au PM5, aujourd'hui, Doumbouya est totalement perturbé. Il a fait un crochet, il devait rentrer à Conakry aujourd'hui, vendredi, il a fait un crochet en Inde. Donc, mon cher tonton, faut nous aider. Faut nous aider. Parce que les 99 millions de dollars, ça fait très mal à Douma le fait que les informations ont été diffusées sur la toile. Et ça, là aussi, je sais que ça va lui faire très mal. Vous comprenez? Donc, et en même temps, nous félicitons, moi je le dis, hein, voilà, nous félicitons M. Bailali. Voilà. Parce que là où je vous parle comme ça, monsieur, vous détenez l'argent de la Guinée. J'insiste, hein, parce que l'argent de la Guinée, c'est l'argent de notre pays. C'est une chance pour notre pays de fait qu'on vous a donné le chèque et vous l'avez empoché parce que nous allons le récupérer. Et je voudrais dire à monsieur Morissanda, parce que Morissanda, à travers le chef de la diplomatie, parce que c'est son travail. C'est comme ça qu'il a tué Sadiba. C'est comme ça qu'il est en train de rapatrier nos compatriotes qui vivent en Allemagne, Morissanda. Il paraîtrait, lui il a dit à Doumbouya qu'il peut gérer cette affaire en passant par la diplomatie. Mais Morissanda, voilà le monsieur aussi, c'est-à-dire, n'aiment le Mouikou, le Morissanda, qu'est-ce que tu en veux au Guinée? L'affaire de Lee aussi, tu as pris ça, Ibrahim Okela, parce que tu as vu Lee là, il est capable de négocier avec Doumbouya. Il est capable. Le gars-là est capable de négocier avec Doumbouya. Wallahi bilatalai. Il est capable de négocier avec Doumbouya. Tellement, je ne sais pas si tu le connais très bien. Et rapidement, là, on me fait comprendre que toi, Morissanda, à travers les affaires étrangères de la Chine et Abu Dhabi, mais ça, c'est les Arabes, hein, c'est les businessmen. Parce que là, il va mettre l'argent à Dubaï. Si l'État a 40% dans cet argent-là, vous ne verrez plus la couleur de cet argent. Les Allemands ont besoin de suffisamment d'argent pour investir suffisamment dans le pays. Ils ne sont pas contre les investissements dans le pays. Maintenant, on attend parce que les informations viendront jusqu'à quel niveau tu t'es engagé à récupérer cet argent. Parce que monsieur Lesbot, le numéro, c'est-à-dire le boss de Lesbot de Doumbouya, Morissanda. Tout ça là, c'est pour conserver ses petits postes de ministre d'affaires. Franchement, c'est pour conserver ses postes des affaires étrangères. Sinon, Papa Fofana, c'est aux États-Unis ici. Il a son lot. Il a même qui est américain. Il a lot. Les crédits qu'il a des gens. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle le gars? Sidiki Bamara. Et Karonko, il est poursuivi. Yes. Bailali, il était poursuivi. Toi-même, Doumbouya, tu étais poursuivi. Yes. Parce que donc, qui n'est pas poursuivi autour de ça? Peut-être c'est Amara. Amara aussi. Non, Amara aussi est poursuivi par les Américains. Margot, comment ça se passe? Comme il a un pas. Sinon, lui aussi, il a été cité au temps de l'ancien Akonté pour être dans le groupe des vendeurs de drogue. Lui et Amara. Qui n'est pas dedans même? Tchèl Madouba là aussi, est dans les affaires louches, il était poursuivi au temps d'Alpha Condé, Tchèl Madouba. Maintenant, qui d'autre?
Ah, ne connais pas le joyeux, même pour souveraineté. Donc, en remerciant, comment il s'appelle? Le monsieur là, vous avez vu, il a été, là, voilà. Nous allons résumer ça, les infos, voilà le monsieur. Il a été limogé parce que il a dénoncé les difficultés dans lesquelles il travaille dans la sous-préfecture. Mais, ce qui me suit, il y a un escroc du RPG Arc-en-Ciel, un ancien escroc, qui a été remercié aussi dans un département. Même pas Molé, Kassela, la Koro. Parce que lui-même, il est venu dire que Dieu merci, qu'autre à Braboakan. Qu'autre à Braboakan, qu'autre à Braboakan, parce que il y a trop de stress. Tu ne peux pas nous dire. Hein? Toi, tu ne peux pas nous dire que c'est trop stressant de travailler avec le Seigneur. Tu étais avec le professeur Fakonde. Tu es attaché de cabinet. Tous les anciens attachés de cabinet, Fakilin, Kilin, Bi. Même au Seigneur de quoi. Tous les attachés de cabinet au temps d'Alpha Kondé, Akilin, Kilin. Donc, ne te casse là, moyen, on te finque là. C'est regrettable que ce dernier soit limogé par le DPS. C'est regrettable. On va voir la fin. On va aller rapidement. Excusez-moi. Nous, la Kalia. Rapidement. Parce que voilà, hein. Regardez-les. Parce que quelqu'un a posé ça, il dit, ah, qui le tour? Allez, les filles. Allez, les filles. Ibrié. Ça, les mignons, sinafiés, quoi. Regarde-toi. Regarde-les. Ni mais il a là. Donc, il y a là-bas, même. Queen. Non, l'encore blâmé. Non. Oh. Alors, nous, où j'ai mis ça? D'accord. Non, laisse ça, prochainement. Donc, on se reprend demain, Inch'Allah. Voilà. Portez-vous bien, on se reprend demain. Alors. Bonne nuit, on se reprend demain, Inch'Allah. Donc, portez-vous bien. Et courage au Sud National de Guinée.